Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on poursuit notre let's play de Elden Ring. Bon, la dernière fois on avait récupéré pas mal de choses. J'ai tout ce qu'il me faut logiquement au niveau de mon stuff, au niveau de tout. Hein. J'ai même réussi à acheter finalement les différents parchemins qui me manquaient pour pouvoir crafter. On va voir si je peux pas monter un petit level de plus. Parce qu'en fait, je vais certainement utiliser l'arc assez souvent. On va voir ça, mais je pense effectivement l'utiliser assez souvent. On avait monté la Dex à 20, ce qui fait que maintenant j'aimerais bien monter mon endu et ma vigueur. Ah bah 1445, non je peux pas. On va aller faire un... On va aller tuer un mob. Viens monsieur. On a récupéré tout ce qu'il fallait, même pour invoquer. Vous pouvez mémoriser les sorcelleries et les incantations auprès du site de grâce. Vous devez équiper le bâton. Bah oui, mais bon. C'est combien? 445, c'est bon. D'ailleurs, en parlant de ça, ah, je suis pas passé là. On a deux runes dorées là. Et là, au niveau de la fiole, ajouter une dose de fiole, mais utiliser une graine, ça suffit. Très bien. Maintenant, la prochaine fois, ça sera 2, voilà. Donc j'en ai combien maintenant? 5? Non. Ah. Six, d'accord. Plus la demi, 7. Et on va essayer d'aller trouver un des arbres, parce que les arbres vont nous permettre d'avoir un boost sur notre deuxième fiole. Je sais plus comment elle s'appelle cette fiole-là. Non, toc toc toc. Qui est là? Non. Sur celle-ci-là. La fiole de salut miraculeux, voilà. Toi, tu vas nous montrer des choses formidables qu'on connaît déjà, mais je vais t'utiliser, je sais pas si... Imaginons qu'il y a une quête. Bon. On va aller faire deux petits donjons qu'il y a. Il y en a un là et un autre à côté. Histoire de faire un peu d'XP. Et d'aller tester un petit peu ces katanas. On sait jamais, si en plus je peux récupérer des pierres, ça serait bien pour booster l'arme. Tu es là. Qu'est-ce que tu nous dis? Une mort digne de ce nom vous renverra à l'arbre monde. Soyez patient jusqu'à ce que l'heure vienne et que retentisse l'appel des racines. Ah, c'est bizarre votre appel des racines quand même, les gars. Toi je savais que t'étais là, toi je savais pas que tu m'avais déjà vu toi. Une résine de racine, donc.
Là, une porte fermée. T'es où toi? Parce qu'il y en a un là-haut. Ah ici il y avait les flammes. Tiens d'ailleurs au lieu de faire ça il faudrait que j'aille directement. Et... Oh. Quoi? Ah bah non, moi je croyais être assez rapide. Mais vous voyez que non. Ah j'ai pris mon temps. Parce que les flammes en fait elles sont intéressantes si on veut tuer tous ces trucs. Je vais essayer de voir ça. Si je passe directement, est-ce qu'ils vont me suivre et est-ce qu'ils vont aller se foutre dans les flammes en fait. Alors, toc 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 toc. C'est bon. Ah oh, mais c'est pas possible. Bizarre ça par contre. Deux fois de suite, c'est que je suis trop lourd. Non, je suis pas lourd en charge moyenne. Amenez-vous les gars. Hop. Des cendres de nobles, pardon. Qui court. Ah ouais, t'étais là toi. Ils sont pas tous venus. Eh bien non toi. Est-ce que je suis plus rapide à deux mains qu'à une main? Ouais, il y a un petit démarrage à deux mains. Que je commence à une main d'abord. Je croyais que par contre que le feu disparaissait, mais non en fait. Alors,
petite capuche qui voit le jour. Est-ce que je les vois? Est-ce que je peux les attirer là? Non. Je... On a tiré un là. Ah zut! Oh, il me colle un saignement là, le cochon! D'accord! Ça par contre, ça disparaît, ça fait monter ou pas ça? Ah bah dis donc, je joue mal! Je joue mal! C'est-à-dire que je croyais pas me retrouver sans flèche. Toutes les flèches que j'ai pourtant. Fabrication, non. Flèche en carreau douce, normal. Je peux pas faire des flèches normales. Il m'en faut deux alors que les carreaux, il m'en faut deux. Ouais, non, il m'en faut trois. D'accord. Bon, la porte est ici, mais je vais aller récupérer mes âmes. Toc. Ah, c'est un peu long. Alors là par contre c'est drôle, ça a disparu alors maintenant. Fait qu'il soit redescendu comme ça lui par contre. Alors équipement. Toi normalement tu dois aller plus loin. Eh oui. Fossile fourchu. Qu'est-ce que c'est? Comme saignement, d'accord. Curieuse fauchette. Hachette. Maniée par les diablotins. Il faut que j'apprenne à parler moi. La lame fourchue, j'ai légèrement ondulée et surnommée langue de diablotin à cause des saignements. D'accord. C'est 50 ans de saignement, c'est donc plus que moi déjà. Il arrive à les placer quand même. Et lui il redémarre lui, on sait pas pourquoi. D'où il pop? D'où il pop et pourquoi t'as monté et descendu toi?
Bon. Est-ce que ça serait ça? Bon. Bon. En tout cas, on a tout récupéré maintenant. On va redescendre. Et retourner à l'entrée. Hein. Pour battre le boss. Enfin, essayer de le battre. Autant je faisais le malin avec du matos, avec un bouclier, là, sans bouclier, on va voir. Hein. Ah ouais, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. J'ai été ici, hein. J'ai déjà été ici. Est-ce que... Non, allez, on va se prendre le point. Un point de plus, ça fera pas de mal. En plus, comme ça, j'aurai une fiole de plus. Montée de niveau à 1659. Vous êtes rigolo. On monte à 15. Alors, ce boss. Voyons voir ce qu'il va pouvoir nous donner. On est parti. Allez, mets-toi. Ah là, je suis pas assez rapide. Je te fais mal, mais par contre, tu signes pour toi. Oh bah. Oh bah. Mais non. Je suis trop gourmand à chaque fois. Il saute, je suis encore en train de frapper. Je suis pas malin moi. Je suis pas malin. Cendre de sorcier noble. Ça nous donne des cendres supplémentaires, c'est bien. Allez, on va retourner... enfin, retourner. On va aller dans la... Le petit donjon qu'il y avait juste à côté. Peut-être récupérer, remarquer des... Des fioles ici là, en les tuant eux. Désolé les gars. Il m'en manque un, il est où? Là. Et voilà. Le deuxième donjon était où? Là, il n'y avait rien à récupérer, je me souviens. Ici, c'était par là, hein, je crois. Ouais. Alors,
ils attendent. On va les laisser là. De toute façon, si je les tue maintenant, ils vont repop. Quand on sortira du donjon. Les grottes du bosquet. Alors il y a du bruit autour de moi, il y a un type qui est en train de tourner en face de chez moi. Je vais couper un peu la musique. Enfin couper mon micro, pardon. Voilà, tout le monde est mort. Le pot fissuré. Par contre, je croyais avoir retrouvé de la vie. Enfin, des potions, mais pas assez. J'aurais dû m'arrêter directement à l'entrée. On récupère tout ce qu'on peut choper. Attends, des petits bruits. Toujours que c'est quelqu'un, mais non, en fait je pense que c'est le crépitement de mes flammes. Alors on va se reposer, j'ai plus qu'à aller voir le boss maintenant, monter de niveau on peut encore, c'est bien, on avance bien. Sans mémoriser on s'en fout, faire passer le temps on s'en fout. De bête, lui il était juste là. C'est parti. Alors amène-toi toi. Oh. Et voilà. Non, par contre il faudrait vraiment que je pense à utiliser cette lame. Est-ce que je garde ça? Ça part loin ou pas cette histoire là? Bon, on récupère une protection contre les flammes, ce qui est très très bien. Et voilà. Je vais essayer cette histoire de... d'attaque là. Ah. On va voir combien de dégâts ça fait. Sur toi par exemple. Ah ouais. Ah quand même. C'est petit mob, mais tout de même. Ouais, 160 d'attaque alors que là...
je peux plus. Eh ouais, c'est le souci. Par contre, en attaque principale et ensuite en boost, ça peut être intéressant. Pour le moment, évidemment. Avant de trouver mieux. Ok, bon bah écoutez, je vais donc vous laisser. Vous souhaitez à toutes et à tous une très bonne et agréable journée. Une bonne soirée. Ah bah non, tiens, ah bah non, non, je vous laisse pas. Je ne vous laisse pas, on va s'occuper de ce camp là. Ce que j'avais pas fait en fait. Tu me bloques toi à chaque fois là. Bouclier seigneurial. Alors là avec l'autre perso, je cherchais à fond ce machin. Et bouclier en cuivre. Eh, c'est la fête des boucliers. J'avais un perso à bouclier, j'en récupérais pas un seul. Et là, ça n'arrête pas. Bon, bah super. Et il se lève. Juste pour voir à quoi il ressemblait ce bouclier. Oh, il était cool en plus. 95 de physique. 84 pardon de physique, c'est nul. Non, on va très bien là. Faisait un joli coup de bouclier mais il protégeait pas à 100%. Sur un, bon, sur un grand bouclier comme ça, c'est surprenant quand même. Oh, tant pis. Ouais, tant pis. Là on a rien. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, à toi et à toi. Ah, je suis bête avec vous, faut pas que je vous fasse ça. Vous. Faut que je vous fasse ça. Mais j'ai plus de mana. J'aurais pu attendre un petit peu sur le côté. On a quasiment tué tout le monde à part le gros, là, l'élite. Il est là, lui. Oh, 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 oh. J'ai essayé. Putain, il saigne que tard lui. Hein. Il était bien costaud tout de même. Qu'est-ce qu'on avait là déjà? Un joli coffre avec quoi à l'intérieur, j'ai plus de souvenirs. Les cendres de guerre, piétinement orageux, et le couteau aiguisé. Voilà, le couteau aiguisé, il permettait et d'utiliser les cendres de guerre, hein.
L'art du combat, pierre aiguisée sans doute pas couteau, pourtant une mystérieuse inscription permet d'utiliser les cendres de guerre auprès d'un site de grâce. Afin d'octroyer aux armes, voilà. On peut le faire maintenant à partir de notre site de grâce, on pouvait pas avant. Ou alors fallait directement passer par le forgeron. Bonjour. Et voilà. Bon bah cette fois-ci je vais vraiment vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée. Une bonne soirée. Une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Amène-toi. C'est là qui bloque. Et... Oh. Un bouclier.